En route pour Paris. Ce grand sourire, c'est parce que mon visa a été approuvé ce jour-là. Oui. Le petit palais, un magnifique intérieur et des sols superbes. Je vous laisse regarder. Et après ça, direction le musée de l'armée. C'est parti! Il y avait aussi une salle géante pleine de plans reliefs, c'était impressionnant. Donc là, c'était toujours au musée de l'armée, et il fallait passer par l'extérieur pour se rendre au tombeau de Napoléon. Juste là-dedans, oui, là-dedans. Juste là, oui, oui, là-dedans.
Prochaine étape, le musée de Rodin, à deux pas du musée de l'armée. Un super jardin, plein de statues et un musée plein de caractères. Je le conseille vraiment. Et sans transition, je me suis rendue au musée de l'architecture et du patrimoine,